If I come and I sing to you in my language, right, and I tell you my story, and you watch my show, or you listen to my album, and you listen to it in an environment where you're experiencing something beautiful, like, you're gonna have questions about me. You're gonna wanna know more about me, and I'm going to have answers for you. And when we have that situation, we have a conversation going, you're not going to fight someone that you know. You're not going to fight someone that you like. You're not going to fight someone that you have taken the time to empathize with and have compassion toward. Em África, nós temos mais coisas que nos unem do que nos dividem. É preciso continuarmos a promover os valores, as tradições, a solidariedade. Como voa la paix a toujours été au cœur du projet panafricaniste, avec l'idée de véritablement œuvrer en faveur d'une solidarité comme levier de paix sur le continent. I think what unites us, or what will unite us, is curiosity. The more we're curious about one another, the more we're going to want to know about each other, the more we're going to start conversations, and the more we're going to create dialogues that will lead to peace. La diversité africaine est de toute façon un atout pour la paix. Nous avons dans ce continent 2000 langues. La plupart des Africains sont multilingues. Quand on se voit en Afrique, la première chose qu'on fait, c'est les salam alek, les salutations qui durent très très longtemps. Vous connaissez l'Ubuntu d'Afrique australe, la Teranga du Sénégal, Boto du Botswana. Angola, eu estou neste momento com traje de uma estilista ganense. Angola a vestir Ghana. É o Ghana a ouvir música da RDC. É a RDC a consumir filmes de Nollywood, Nigéria. Se nós começarmos a promover esta interação entre nós, é paz em África. Bonjour, je m'appelle Selam. Je suis réfugiée érythréenne et j'habite à Genève. Je suis arrivée en Suisse avec ma famille à 6 ans pour des raisons politiques et de sécurité. Cette migration forcée a été pour moi un déchirement car j'ai laissé derrière moi ma famille, mes amis, mon école, mais surtout une partie de moi-même. Aujourd'hui à Genève, j'ai l'impression d'avoir trouvé une deuxième maison. Mais au fond de moi, mon pays me manque toujours autant. Sur les réseaux sociaux et aux informations, j'apprends que la guerre fait rage au Tigré, au port de mon pays, avec des tensions qui perdurent depuis des décennies. Je suis absolument contre la guerre et révoltée que les enfants en soient les premières victimes. Je n'arrive pas à croire qu'après tant d'années et tous les efforts, on ne parvient pas à mettre un terme définitif à la violence et au conflit. Les pays africains doivent s'engager en faveur de la paix de manière plus ambitieuse en insistant probablement sur 3 points. Le premier est la promotion de sociétés prospères basées sur la croissance inclusive et un développement durable. Le deuxième point, c'est la promotion de l'état de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits humains. Et troisièmement, la promotion de la justice sociale à travers la mise en œuvre d'un projet sociétal qui accorde une place particulière aux femmes et aux jeunes. The youth of Africa hold the key to Africa's future. And we need to start something right where we are. We don't need to wait for anybody to inspire the social change that we seek. So right where you are, start something, start today. Gathering women's narratives is one such way of empowering women because it gives them a platform to express their opinions, which can be utilized in coming up with peace-building mechanisms. This is the work of the Global Women Narratives Project. This is a project under the Oxford Initiative for Global Ethics and Human Rights, whose mission is to amplify women's voices and collect narratives and create a database which can be relied upon by policymakers, lawyers, human rights advocates to effect change. En 2014, à mon arrivée en Suisse, je me suis sentie perdue. Mais l'association AMIC d'aide aux réfugiés m'a permis de rencontrer une communauté d'accueil. Des gens comme moi, des anciens réfugiés et des Genevois.
Elle m'a également accompagnée dans l'apprentissage du français et dans ma scolarisation. Genebra est la capitale de la paix. La congrégation d'efforts pour la paix ne peut être faite par un seul continent, elle doit être faite par tous. Portanto, neste ambiente de multilateralismo que nós observamos aqui em Genebra, não há outra esfera melhor do que Genebra. We really need these events. We really need the Geneva Peace Week. We need the Biennale. We need more places where we can commune to continue the conversation and build toward a better future, toward peace, toward a more peaceful world. A Bienal de Luanda nasce com a campanha da União Africana em prol de uma cultura de paz, um movimento para a paz. O envolvimento dos países africanos, União Africana e da Unesco, surge em 2019, a primeira Bienal em Luanda, com uma grande participação de africanos, não só do continente, mas também da diáspora. E esta segunda edição, todos nós esperamos que seja a continuação da primeira com melhores resultados. Mas o mais importante, julgamos nós, tendo em atenção o tema da cultura de paz, será a participação de gente de cultura. Prevê-se, por exemplo, a presença de cantores, criadores de arte, pintores, e esperamos todos que seja realmente um sucesso. I believe that what unites us is a common goal or a common purpose. You'll find that most African countries are working towards developing their economies and their protection and promotion of human rights. So being conscious of this common goal will help us to appreciate that we're playing in the same team. S'il y a une chose qui nous unit, c'est notre humanité au sens le plus noble du terme. Cette humanité sur terre, cette terre qui est notre bien commun, que nous devons apprendre à respecter en respectant nos différences. Cette diversité est un atout, car c'est de cette variété de perspectives que l'humanité progresse tous les jours. Aujourd'hui, je suis ravie. Fin septembre, je rentre à l'École polytechnique de Lausanne en première année des sciences de l'environnement. Le cursus inclut l'adaptation au changement climatique et les méthodes d'irrigation agricole. J'espère de tout cœur qu'un jour, je pourrai rentrer au pays et apporter mes connaissances dans ce domaine. Je crois vraiment que la diaspora a un rôle à jouer pour relever les défis de l'Afrique. Érythréens, Éthiopiens, Angolais, Marocains, Sénégalais, Africains du continent et d'ailleurs. Il y a tant à faire pour relever les défis de l'Afrique. Il faut avancer et nous appuyer sur ce qui nous unit par-dessous tout. La générosité de notre cœur et l'incroyable diversité de notre continent.